Nos te gabriras tio calzo que canto, brome vero e dolor e pinamu, a que damur un marquito sementando, nos te de Cazaux de l'Arbouste et en présence d'Alain Daen qui va nous expliquer un projet qu'il a initié déjà et dont il va nous parler par le détail. Alors cela consiste en quoi en fait? Voilà, ben, ça fait des années que je m'intéresse à l'art roman et à nouvelles églises des vallées du Luchonnais, du Louron, de la Vallée d'Or. Et j'ai été admiratif de ce qui a été fait à Mont, de l'autre côté du col, où une association dont je fais partie, les Amis de l'Église de Mont, ont permis de récolter des fonds et de restaurer magnifiquement les fresques et l'église là-bas. Et l'idée me trottait en tête de me dire, mais c'est quand même dommage avec cette magnifique église, ces magnifiques fresques que nous avons à Cazaux, qu'on ne puisse pas essayer d'aller sur leurs traces et de faire quelque chose un petit peu dans ce genre. Donc cette idée de constituer une association, les Amis de l'Église de Cazaux de l'Arbouste, pour fédérer et réunir un maximum de personnes et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quoi. Donc sur les fresques de Cazaux de l'Arbouste, en Vallée de l'Arbouste, bien évidemment, nous avons des fresques ici de magnifiques, bon, qui auraient besoin de restauration, et qui datent du XVe siècle. Oui, je crois, oui. On n'a pas de date précise. Non, c'est pas précis, en fait. On n'a pas trouvé d'acte qui permette de les dater absolument, comme ça a été le cas dans le Louron, dans la Vallée d'Or. Mais oui, elle serait d'après les costumes, d'après les études qui ont été faites de cette époque-là. Oui. Et effectivement, on peut le voir, il y a des endroits où carrément l'enduit s'en va, la couche picturale se détache et elle s'abîme. En fait, ces fresques, c'est l'abside qui a été badigeonnée, mais bien avant la Révolution. Probablement que ça a été fait en 1635, puisqu'on j'avais trouvé un acte notarié qui commande à un peintre de Créchy-en-Barousse, Jean Brun, qui commande un tabernacle, c'est le tabernacle qui est ici,
et qui lui commande aussi de blanchir la muraille. Et pourquoi blanchir la muraille? C'est parce qu'à cette époque, donc, ils ont installé un nouveau tabernacle, un nouvel autel, et probablement un rétable qui allait avec. Et pour que ça soit mis en valeur, il fallait avoir un fond blanc derrière. Et comme ils allaient effacer, en blanchissant l'abside, ils allaient effacer l'Assomption de Notre-Dame, on le commande à ce peintre également un tableau de l'Assomption. Et ce tableau a été pendant très longtemps dans l'Église, puisqu'il est cité en 1832, je crois, lors d'une visite de l'évêque, comme étant présent. En 1840, par contre, il n'y est plus. Il devait être trop vétuste, il a disparu. Bien. Alors, il y aurait des réflexions à faire. Alors, comment ça va se passer, en fait, cette restauration, concrètement? Ça va dépendre de qui? Parce que la commune de Cazaux est propriétaire de l'église, mais elle n'a pas à devoir donc intervenir directement. Si, absolument, oui. De toute manière, l'association ne peut qu'essayer de recevoir des dons, des subventions, aider la commune. C'est la commune, sous couvert de la DRAC, du ministère de la Culture, voilà, qui pourra être maître d'œuvre d'une éventuelle restauration. Mais on en est loin encore. Pour le moment, il s'agit de réunir les bonnes volontés et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est bien entendu la commune qui est propriétaire des murs, avec l'accord de l'abbé Arnaud Richard, qui est lui affectataire des lieux, qui a aussi son mot à dire. Son mot à dire, voilà. C'est-à-dire qu'il faudra un groupement de personnes bien structuré. Alors pour toi déjà, qui initie l'opération, la première démarche à faire pour toi, c'était une réunion qui était prévue le 14. Voilà, c'est ça. Pour constituer une association, ben, il faut faire une réunion, une assemblée constitutive, voilà, pour réunir et élire déjà... réunir les premiers adhérents et parmi eux former un conseil d'administration, donc avec 12 ou 15 administrateurs, enfin le chiffre est à déterminer dans les statuts, et puis de là nommer un président, un secrétaire, un trésorier, enfin c'est les formes officielles pour créer une association. C'est une association de loi 1901. 1901, bénévole, voilà. D'accord. Et après, on la déclare en préfecture et après, elle peut commencer à recevoir des adhésions. Et alors, sur cette base, après, alors la deuxième étape pour toi, qu'est-ce que ça va être, en fait, de l'association, bien évidemment, constituée? Mais on va y aller pas à pas. Déjà, voir l'impact que ça peut avoir et le nombre de personnes qui nous suivent. J'espère, j'ai eu des bons échos, des personnes qui m'ont téléphoné, envoyé des mails déjà. Je vois que cette initiative a l'air d'avoir un accueil favorable. Et il faut voir quelles forces vont être réunies et puis qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, une fois que les forces vont être réunies, vous allez œuvrer en faisant un cahier des charges, j'imagine. Comment ça se passe en fait? Au niveau de la restauration elle-même. Ah ben là après, là il faudra qu'on... Quel est l'organisme qui va prendre en main en fait directement? Mais là je pense qu'il faut se rapprocher peut-être du ministère de la Culture et de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, pour voir, essayer de voir ce qui est possible, quoi. De faire un bilan par un spécialiste et voir quelle intervention serait possible et chiffrer ça et voir comment ça pourrait se financer, quoi. Sachant que la commune de Cazaux n'est pas riche et que c'est des travaux qui sont énormément coûteux en général. Plus il s'agit pas de repeindre comme ça avait été fait au 19e siècle, hein. On n'est plus à l'époque de Bertrand Bernard, celui qui donc a redécouvert les fresques de l'abside à la fin du 19e siècle, et où on repeignait un peu. Là, les interventions sont très subtiles et affaires de spécialistes, et c'est très long et très coûteux, bien sûr. Alors, vous avez fait un appel à subvention. Comment allez-vous opérer? Et peut-être pas tout de suite, puisque rien n'est constitué encore. Dans un premier temps, vous faites appel donc à des gens, des bénévoles qui veulent bien s'intégrer dans un bureau. Voilà, et adhérer déjà. Et là, j'ai contacté les services fiscaux pour avoir confirmation
que les dons et cotisations faites à cette future association sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. Donc ça incitera, je pense, les adhérents à être plus généreux envers l'association. Mais pour le moment, c'est simplement voir vers où on va tendre. On n'a pas encore de projet, il n'y a pas de financement à demander. Et puis de conseils surtout. J'ai eu des contacts aussi avec des gens qui ont œuvré dans ce genre d'association dans la région parisienne, qui m'ont donné des pistes pour essayer de trouver des subventions. C'est en bonne voie, disons alors. On est plein d'espoir, disons. Il y a de bons retours. On refera de la publicité, essayer de faire passer l'information dès que ça va être possible. Là, c'est un peu... On est un peu dans l'incertitude. Est-ce que dès décembre, ça va être possible? J'ai des doutes, mais enfin... Pour le moment, en tout cas, c'est impossible, puisqu'on est... On est en période où les réunions sont interdites. D'accord. Oui, Alain, donc, avant de nous quitter, et en te remerciant donc, de nous avoir reçus, j'aurais voulu savoir si tu avais quelques coordonnées à nous fournir concernant cette association. Est-ce que tu as déjà préparé? Oui, alors j'ai créé une boîte mail qui s'intitule, en minuscule, amieglisedecazaux@free.fr. Ou alors mon téléphone, 06 49 98 26, 27. Voilà, je vous remercie de votre intérêt. Très bien. Bonne journée à toi.